On dit, dans les terres du Nord, que le voyage importe bien plus que sa destination. Durant les mois à venir, ce renard polaire va rencontrer des difficultés qui mettront à l'épreuve son intelligence, sa résilience et sa capacité à résister. S'il s'en sort, sa lignée perdurera. La lignée des héroïques. Au-dessus de 60 degrés nord, l'hiver peut être réticent à desserrer son étau. Nous sommes mi-mars, mais les puissants vents et leurs rafales glaciales sont toujours là. Malmenés par l'océan Atlantique, les terres sauvages d'Islande, d'Écosse et de Norvège demandent grâce, aspirant à un souffle de printemps. C'est ici que vivent ceux qui sont nés pendant la tempête. Ceux qui ont dompté ces contrées hostiles. Difficile de survivre ici. Seuls les plus résistants y parviennent. Mais avec chaque printemps revient la lumière. Elle marque le début d'une nouvelle manche dans la bataille pour la vie que livre le renard polaire. Dissimulé sous ce manteau de neige, le territoire qu'il doit s'approprier. Mais il ne peut y arriver seul. Il lui faut une partenaire. Il lui faut sa compagne. Il ne l'a pas revue depuis l'automne dernier. Il ne sait pas si elle a survécu aux grandes ténèbres. Mais il sait où la chercher. Ici, le long de la lointaine côte nord-ouest de l'Islande, chahutée par les vents. Mais il est seul. Aucune trace d'elle. Il n'a d'autre choix que d'attendre, dans l'espoir qu'elle aussi soit ressortie victorieuse de l'hiver. Sur les terres du Nord, mars est le mois le plus tourmenté. Les marées les plus hautes et les vents les plus déchaînés s'abattent sur les côtes. Les animaux adaptent leur déplacement à ces changements de temps. Certains parcourent d'infinies distances pour trouver de la nourriture. Un groupe d'orques a traversé les 1200 km qui séparent l'Islande des îles Shetland au large de l'Écosse. Voici une petite unité familiale forte de trois générations
est conduite par une matriarche. Elles sont ici pour chasser. Leur arrivée coïncide avec une rare période de calme absolu, synonyme de répit pour les habitués du littoral. Il y a 6 mois, lorsque la lumière a commencé à baisser, une loutre a mis bas dans un discret terrier à proximité de l'eau. Ses jumeaux, un mâle et une femelle, ont passé avec succès l'épreuve de l'hiver, mais ils sont arrivés à un tournant de leur vie. Ils doivent apprendre à chasser seuls. Pour le moment, c'est leur mère qui leur fournit l'essentiel de leur nourriture. Elle les laisse seuls sur le rivage tandis qu'elle va pêcher. La mer n'est jamais aussi froide qu'en mars. Les poissons sont plus rares, donc plus difficiles à trouver. Il arrive qu'elle s'absente assez longtemps. Le loutron s'essaie à la chasse. Il cherche des crabes dans un trou d'eau. La vraie indépendance est encore loin pour ses jumeaux. Leur mère revient avec une prise. Une loquette, un poisson qui figure souvent au menu des loutres des Shetland. Le loutron s'en empare en premier. Le frère comme la sœur sont affamés. Ils se disputent, mais c'est lui qui l'emporte. La loutronne devra attendre. Elle se réfugie auprès de sa mère pour trouver du réconfort. Plus loin, un groupe de marsouins communs s'est réuni dans la baie. Ce sont les plus petits représentants de la famille des cétacés. Ils vont tomber dans une embuscade tendue par bien plus gros qu'eux. Les orques. L'un des marsouins est isolé des autres. Incapable de distancer l'orque, il doit tenter de lui échapper autrement. Une deuxième orque arrive. Ses chances s'amenuisent. La course-poursuite les rapproche du rivage. Le marsouin fonce vers les rochers. Les orques n'osent pas s'aventurer dans ces eaux peu profondes. Mais la stratégie du marsouin est extrêmement risquée, car il est acculé contre les rochers. La chasse est suspendue. Mais ce ne sont pas les marsouins qui manquent ici. Celui-ci est seul face à ses poursuivantes et n'a aucun moyen de leur échapper. Les orques jouent avec lui,
avant de lui porter le coup de grâce. Avec la montée de la marée, le marsouin parvient à se libérer. Chose incroyable, sa stratégie hasardeuse a payé. Il a survécu à la terrible attaque. En Islande, le mois de mars est encore synonyme d'hiver. Certes, le printemps pointe timidement son nez, faisant remonter les températures. Mais le vent est encore glacial et le froid mordant. Pour la première fois de l'année, la lumière du jour l'emporte d'une courte tête sur l'obscurité. Mais la menace de la neige n'est jamais très loin. Le renard polaire cherche toujours sa compagne. La plage semble déserte. Soudain, il distingue un mouvement au milieu des rochers. C'est une renarde blanche. Mais ce n'est pas sa partenaire. Les renards polaires reforment le même couple d'une année sur l'autre et se reconnaissent à l'odeur. C'est de loin leur sens le plus développé. Mais il y a une autre présence sur la plage. Une autre femelle qui attend patiemment que la tempête passe. Son odeur est masquée par la neige. Il s'approche. C'est elle. Les renards polaires ne constituent souvent qu'un seul et même couple toute leur vie. Ils sont liés par une relation profonde et complexe. Ils doivent à nouveau faire connaissance avant de retrouver cette relation si particulière qui les unit. La survie sur ces terres sauvages est une question de réactivité. Dans ces régions, la vie bat au rythme des saisons et chacune de ces pulsations doit être mise à profit. Sur les Shetland, les loutrons ont encore beaucoup à apprendre. Une fois de plus, leur mère est partie pêcher dans la baie et ils attendent son retour. Ils sentent la présence d'un congénère. Mais ce n'est pas elle. C'est un mâle, relativement âgé. Il a senti l'odeur de leur mère. La situation pourrait mal tourner pour les jumeaux, surtout pour le loutron. Les mâles adultes considèrent les loutrons qui ne sont pas d'eux comme des rivaux.
et il leur arrive de les tuer. Sentant le danger, le jeune se réfugie dans un trou d'eau. Les jumeaux auraient besoin que leur mère les protège, mais elle n'est pas là. Le mâle s'approche dangereusement. Mais c'est leur mère qu'il cherche. Il suit son odeur jusqu'à la limite de l'eau, puis disparaît. Mais il reviendra. Avec leurs manteaux de glace déchiquetés et leurs étendues volcaniques désertées par les arbres, les terres du Nord ne semblent pas l'endroit idéal pour fonder une famille. Mais il n'y a pas que des inconvénients à vivre ici. Si les hivers sont longs et austères, au printemps et en été, la lumière et la chaleur ne connaissent pour ainsi dire pas d'interruption. De parfaites conditions pour l'arrivée d'une nouvelle génération. Dans la région subarctique de la Norvège, couverte de neige, des troupeaux entiers de rennes se rassemblent sur les plateaux montagneux. Il s'agit principalement de femelles qui attendent un petit. Elles ont passé les mois d'hiver ici, à l'abri des épaisses congères des vallées. À l'aide de leurs sabots en forme de pelle, elles soulèvent la fine couche de neige pour en extirper le lichen. Mais ce régime hivernal est pauvre en substances nutritives. Lorsque vient la saison des naissances, elles doivent donc descendre des plateaux pour profiter des riches herbes des plaines. Cette migration, vieille de plusieurs milliers d'années, a donné lieu à une alliance. Une alliance avec les hommes. Les rennes sont avant tout des animaux sauvages. Mais certains vivent aux côtés de gardiens de troupeaux qui gagnent leur vie grâce à eux. Juchés sur leur motoneige et aidés de leurs chiens, les gardiens les regroupent en un gigantesque troupeau de 3000 têtes. Les rennes entament alors ce tournoiement défensif qui est le leur quand ils veulent se protéger des loups et des ours. Vaste carrousel vivant. Commence alors la longue marche. En Islande, le renard polaire ne quitte pas sa compagne des yeux. Chez les renardes, l'estrus ne dure que 48 heures. Elle devrait être bientôt prête. La parade nuptiale se fait plus intense. «
Dès qu'elle s'éloigne, il la suit. Pas question qu'il la perde de vue. Elle s'arrête. Il tente alors de l'impressionner. Elle l'a autorisé à s'approcher. Le flirt continue, fait de toilettage et de mordillements réciproques. Seule la tempête de neige a raison d'eux. Les îles Shetland sont réchauffées par le Gulf Stream. Et bien qu'elles ne soient qu'à 650 km du cercle polaire, la neige est rare ici. Plus le printemps avance, plus le climat devient tempéré et attire de nouveaux venus. Les macareux moines. Ils ont passé l'intégralité de l'hiver seuls, au milieu de l'océan déchaîné. Mais ils sont de retour pour se reproduire, dans leur nid creusé à même la falaise. Réunis après la longue trêve hivernale, les couples se font la cour. Sur le rivage, le mâle adulte a disparu. C'est le moment pour les jumeaux de prendre une leçon de chasse. Un loutron peut mettre près de 2 ans à maîtriser la chasse sous l'eau. Il faut bien commencer quelque part et le rivage est l'endroit idéal pour s'exercer. Avec succès. La loutronne a attrapé un crabe vert. Mais son frère voudrait bien y goûter. La petite femelle a faim et elle n'a pas l'intention de céder. La mère décide d'emmener le jeune mâle pêcher plus loin. Il gagne en assurance à force de l'imiter lorsqu'elle plonge pour chasser. Une fois son crabe avalé, la loutronne se retrouve seule. Elle n'est pas rassurée. Sa mère et son frère sont trop occupés pour entendre ses cris. Ils sont face à un problème. Ils sont poursuivis. Le mâle adulte est de retour. Le loutron se réfugie sur les rochers. Sa mère s'en prend à l'intrus. Mais le vieux mâle cherche à s'accoupler. Le loutron retourne dans l'eau. Il prend des risques. Le vieux mâle pourrait le tuer s'il s'interposait.
Le loutron disparaît sous l'eau. Le vieux mâle le suit. On s'observe à distance. Mais le vieux mâle renonce brusquement à toute attaque. Car le loutron est de lui. C'est sa lignée. La mère appelle le jeune pour qu'il la rejoigne. Le vieux mâle semble être passé à autre chose. Les jumeaux sont encore la priorité numéro un de leur mère. Elle n'est pas prête à s'accoupler. Pendant ce temps-là, en Norvège, les rennes ont entrepris de descendre de la montagne. Ils sont à plusieurs jours de la zone de mise bas. Ils doivent se dépêcher. En chemin, ils croisent un troupeau qui progresse en sens inverse. Des bœufs musqués. Ces animaux à l'allure préhistorique sont des survivants de l'âge glaciaire. Si ce groupe a l'air paisible, c'est parce qu'il y a toujours un individu à l'arrière chargé de la surveillance. À la saison des naissances, ce sont les femelles qui contrôlent le troupeau. Mais les mâles dominants les supplantent lors du rut estival. Celui-ci est encore loin. Mais il y a quelque chose dans l'air aujourd'hui. Un jeune mâle tente sa chance face à un adulte plus âgé et plus haut placé dans la hiérarchie. C'est près d'une demi-tonne de part et d'autre qui vont entrer en collision. Le jeune mâle se prépare à attaquer. Son adversaire a pour lui l'avantage de la gravité et de l'expérience. Il oblige le jeune mâle à reculer. Un dernier assaut. Et c'est terminé. En Islande, la neige ne faiblit pas. Mais la renarde polaire est enfin prête à s'accoupler. Même le terrible blizzard ne peut rien contre eux. Les voilà pris l'un dans l'autre. Une union qui peut durer plus d'une heure. Et qui augmente les chances que la femelle soit fécondée. Mais c'est douloureux et fatigant.
Ils peuvent se blesser s'ils essaient de se séparer. Ils doivent se contenter d'attendre que leurs muscles se détendent. La tempête redouble, attisant l'inépuisable ardeur de l'océan Atlantique. Partout dans le nord, les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique rendent cet univers plus imprévisible encore. Sur les Shetland, la houle s'intensifie. Les loutrons se sont enhardis et pêchent maintenant dans des eaux plus profondes. Leur mère les emmène plus loin dans la baie. Les jumeaux doivent rester près d'elle s'ils veulent s'adjuger la prochaine prise. Ils ne la lâchent pas d'une semelle jusqu'au rivage. La jeune femelle s'empare du butin et s'éloigne rapidement pour en profiter. C'est une rascasse. De quoi se remplir l'estomac. Sa mère et son frère s'aventurent à nouveau dans les eaux agitées. La jeune femelle va mettre du temps à venir à bout de ce poisson dur et osseux. Mais ses protéines et sa graisse en valent la peine. Elle est toute à son repas. Elle ne s'est pas aperçue que son frère et sa mère sont maintenant loin au large. Elle les cherche du regard. Mais ils ont disparu. Elle est seule. Ses appels restent sans réponse. Elle retourne dans l'eau. Mauvaise idée. Car elle s'éloigne davantage encore de sa famille et la houle est forte désormais. Le mauvais temps islandais a traversé l'Atlantique pour s'abattre sur les Shetland. Une averse de grêle pilonne la colonie de Macaremoine. Mieux vaut se mettre à l'abri. À l'est, de l'autre côté de la mer du Nord, la migration des rennes se heurte de plein fouet au blizzard. Les 3000 cervidés stoppent leur progression. Parfaitement immobiles et résolument plantés face au vent. Ils sont équipés pour résister. En Islande aussi, le blizzard continue de faire rage. Séparés et épuisés par une heure d'accouplement, les renards polaires se tiennent blottis dans la neige.
Comme les rennes, ils sont protégés contre des températures pouvant atteindre les moins 30 degrés par l'une des fourrures les plus isolantes du règne animal. Seul leur museau en est dépourvu. C'est pourquoi la femelle l'enfouit dans sa queue. Les renards n'ont plus qu'à attendre que la tempête passe. Et avec si peu de visibilité, impossible de se nourrir. Le calme est revenu sur les Shetland. Mais les conséquences de la tempête sont terribles. La jeune loutronne a survécu. Mais la forte houle l'a entraînée loin du territoire de sa mère. Seule, elle parcourt cette plage inconnue à la recherche des siens. Elle a 6 mois et son instinct de survie la pousse à chasser. Mais elle n'est pas encore assez aguerrie. Occupé à se reproduire, le renard polaire n'a pas mangé depuis 5 jours. Il se consacre donc entièrement à la recherche de nourriture. En hiver, les renards polaires se nourrissent d'invertébrés et de charognes rejetés sur la plage. Une maigre pitance qu'ils sont davantage susceptibles de trouver après une tempête. Le mâle a de la chance. Une mouette morte gisait au milieu des rochers. Sa compagne s'approche pour profiter des restes. Rassasiés, ils peuvent maintenant s'occuper de leur territoire. Bientôt, des petits naîtront et il leur faudra trouver un terrier qui sera leur repère durant 3 mois. La neige ne va plus tarder à fondre, laissant apparaître des cavités rocheuses dans ce paysage désolé. S'ils veulent que leur lignée perdure, ils doivent trouver le terrier le plus sûr possible. Les rennes, eux aussi, se dirigent vers un lieu propice à la mise bas. Ils sont presque au bout de leur longue migration. Les gardiens et leurs chiens mènent le dernier groupe vers les pâturages situés plus bas. Là où, traversant le manteau neigeux, percera bientôt l'herbe riche du printemps. C'est ici que naîtront les faons. Ici que, dans quelques semaines, ils seront des milliers à faire leur entrée dans la vie. Au large des Shetland, la famille d'orques s'en va.
mais elle reviendra. Bientôt, les phoques communs mettront bas, eux aussi, leur fournissant de nouvelles proies. Mais pour l'instant, les orques s'adonnent au jeu et au plaisir que procure la vie de famille. Sa famille, voilà ce que la loutronne des Shetland aspire tant à retrouver. Elle n'a pas vu sa mère ni son frère depuis des jours et elle est fatiguée. Elle semble incapable de se nourrir seule. À 1 kilomètre de là seulement, sa mère et son frère reviennent vers le rivage avec une énorme prise. Un poulpe. C'est ici qu'ils ont vu la loutronne pour la dernière fois. Alors, pendant que le jeune mâle entame son repas, la mère cherche la petite disparue. Elle l'appelle. En vain. Elles sont pourtant proches. Mais pas tout à fait assez. La loutronne est seule. Elle est épuisée et affamée. Son sort dépend désormais de la tempête qui approche.